je ne suis pas seule. Ah, mais alors, elle a réactivité. Zéro réactivité. Ouais, ok, on recommence, vas-y. Mais la réactivité, la bonne. Là. Que ça va être. Salut les gens. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Hey. Hey. Je suis avec Lison, et Nora et Noémie. C'est la famille. Bon, on est où? En Tunisie. Mais du coup, avant d'arriver là, il y a une longue route, très très longue, très très dure. Du coup, on va récapituler un petit peu parce que, voilà. Je suis clairement en train de faire ma valise parce que je pars demain en Tunisie. Sauf que pour avoir des billets moins chers, on a pris qu'un bagage cabine, donc la toute petite valise. Comme ça, faut tout faire rentrer dedans. Pour une semaine. Super! En plus, il va pleuvoir, donc faut prendre des trucs pour la pluie, des trucs parce qu'il va faire quand même 25 degrés, donc voilà. Des chaussures, les brosses, les livres, les trousses de toilette, tout ça. Enfin, je vais m'y perdre là. Après des longues heures de Tetris, j'ai réussi à fermer ma valise. Oui, tout rentre. Ce soir, du coup, on mange à Paris, donc je vais m'acheter des sandwichs et des gâteaux, chewing-gum, tout ça pour l'avion, pour le transport, tout ça. Et je vais retirer de l'argent parce que quand on va dans un pays étranger, c'est toujours mieux d'avoir du liquide qu'une carte parce que ça coûte cher de retirer dans un pays étranger. Donc voilà, petit tips, pensez à retirer de l'argent avant de partir en vacances. Trop d'argent. Clairement, c'est les vacances, faut se faire plaisir. Ceux qui n'ont jamais pris l'avion, pensez à prendre des chewing-gums parce que on peut avoir mal aux oreilles parfois au décollage, à l'atterrissage. Mastiquer, ça fait vraiment du bien aux oreilles. Du coup, je pars jamais en avion sans des chewing-gums. On est parti. Attends, je recommence. Je sais plus comment vendredi, je vais faire plein de fois. Vendredi après. Bah, non, samedi. Vous m'avez perturbé, j'attends, mais il y en était vendredi. On est parti samedi midi, direction Paris, pour passer une nuit à l'hôtel avant de prendre l'avion. Bonjour, c'est le room service. Bon, en fait, il n'y a pas grand chose à montrer. Hein. Je pense qu'on le dise. Grosse salle de bain. Oh là là là. Et franchement, c'est un peu glauque comme endroit qu'on se le dise. Hein. Non, mais c'est pas cher. C'est pas cher, c'est vrai. On est juste à côté d'un petit club. Non, c'est pas un petit club, c'est l'Empire Club. C'est l'Empire Club, genre. Et on est à première classe, qui n'est pas vraiment en première classe, mais c'est grave. Ils se sont trompés, ils voulaient dire premier prix. Mais c'est pas grave. On va fermer ça, hein, parce que... Voilà. Ça s'est pas trop passé comme prévu. On était censé dormir sur place pour avoir un petit peu de sommeil, mais disons qu'on a eu quelques péripéties. En gros, pour faire simple, il y a des gens qui avaient loué 3 chambres d'hôtel et en fait ils faisaient soirée à l'hôtel. Du coup, bah nous à 1h on arrivait toujours pas à dormir, sachant qu'on se levait à 4h. On allait les voir. Une première fois, je suis allée voir deux filles, je leur ai demandé de faire un peu de moins de bruit parce qu'on voulait dormir. Et en fait, au bout d'une demi-heure, bah clairement. Elles s'en battaient les couilles, clairement. Clairement. Du coup, je suis allée frapper à leur porte de chambre. Mais ils ont dit qu'en gros ils allaient partir, que de toute façon voilà, ils avaient payé la chambre d'hôtel donc ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Non, ma fille a quand même dit: ah, c'est ballot, c'est mon anniversaire. Voilà, c'était son anniversaire, je donc du si je veux qu'à fond à 1h du matin, pas de problème. On leur a dit: bah si dans ce cas là vous partez, partez dans 5 minutes et on vous laisse 5 minutes, mais si dans 5 minutes vous êtes pas parti, bah on va voir le responsable de l'hôtel, quoi. Je pense qu'en fait ils nous prenaient pas au sérieux et au bout de 5 minutes, bah c'est toujours là, toujours à faire la fête. La musique à fond, voilà, et que je rigole et etc. Du coup bah on est parti voir le responsable. Et gros embrouille. Deux meufs qui sont passées mais habillées comme des putes. Oh. Non, je suis désolée. Il est quelle heure? Il est 58. Comment je fais? Les filles, les filles, les chaussures. Est-ce que juste vous avez juste entendu des gens baisser ou quoi? Il y a des lits qui tapaient, ouais. J'étais là, c'est pas possible que ce soit juste comme ça. Ah, mais tu vas genre comme
va avec elle ou pas que ça? Bah, on est obligé, hein. Bah ouais. Moi, je la laisse pas y aller toute seule. Par contre, je vois. Parce qu'ils se sont barrés, hein. Mais non, pas du tout. C'est juste les meufs qui étaient dans le couloir, elles sont revenues dans la chambre. Faut pas déconner quand même. Attends, je... Viens avec moi. Il force. Mais attends, je vais y aller pieds nus, je m'en bats les couilles. Vous avez quoi? Vous avez les clés? Qui sont? On dit que c'est au bout du couloir. Quoi? On dit que c'est au bout du couloir. Et en fait, on les a virés de l'hôtel. Ils vont où maintenant? Ils sont fous. C'est qui qui a viré des gens? Ah, je sais pas si on voit. Putain, on voit rien. Je suis déçue. Du coup, le lendemain, on s'est réveillé à 4h30, enfin réveillé parce qu'on n'a pas trop dormi. Du voilà coup... l'aéroport pour aller en Tunisie. T'es stressée? Non. Non. Je suis excitée. T'as un petit commentaire? Bah adieu. Adieu. Nous, bah les gars, là, il est 6h43, on part dans 2 minutes, direction Monastir. Aussi, là, il y a une énorme ligne droite, tu la vois? Tu la vois? Bah celle-là, alors. Ouais, c'est maintenant. Maintenant. Là, je suis dans les têtes. Ouais. Non mais s'il vous plaît. Et après tu remanges à partir de là. Et après, tu peux en manger à 18h. On mange de ma part que moi. Je l'ai calé sur ça et j'ai pas pu. Mais vas-y, si je mets beaucoup plus loin. Bah. Hello. En vrai, il y a de la lumière, hein. C'est quoi ça? Il y avait un mec bourré avec son gosse, mais s'il te plaît, mais j'avais envie de le frapper, quoi. Le gosse, il faisait. Oh! On a fait un petit cours de salle, ça. Pourquoi sympathique? T'es pas mis, trop bien. Ouais, mais en vrai, je crois qu'il fait. Non, mais c'était cool. Du coup, on va faire une petite démo. Allez. On nous tapait pas, mais on a dansé sur Despacito, du coup voilà. On fait une petite démo pour le vlog. Coucou. Attends, il y a Noémie qui vient. Des démos pour le vlog, ça fait des vidéos. Hello. Go.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo. Attends, c'est... Attends, c'est... T'en penses quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, Eno. Oui! Je l'ai eu ou j'en ai eu? Bah ouais, tu l'as eu, je crois. Vas-y, recommence. Ah, attends, oui, non, putain, il est encore vivant! Mais n'importe quoi, il était... Vas-y! What? Comment c'est possible? Vas-y. Vas-y. De travailler sérieusement là. Bah tu dis bonne nuit. Bon bah bonne nuit. Bonne nuit. Bon, on est vraiment claqués parce que là ça fait 48 heures qu'on n'a pas dormi. Lol. Au revoir.